Bonjour, bienvenue sur les bons plans de ETV. Nous sommes ici à la base JetForce de l'hôtel Canela Beach à Gosier. Nous allons à la rencontre de Fabien qui va nous dévoiler toutes ses activités nautiques, jet ski, bouées tractées, etc. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors nous sommes ici à la base JetForce située à l'hôtel Canela Beach à Gosier. Alors on a tout ici pour s'amuser en famille et profiter de la mer, le jet ski, la bouée tractée, le flyboard. Alors comment ça se passe pour la location de jet ski? Est-ce que je dois avoir mon permis? Non, il n'est pas nécessaire. Donc la personne souscrit à un contrat de location qui sera après encadré par un moniteur qui fera un briefing de fonctionnement et de sécurité. Et la personne évoluera après avec le moniteur. En ce qui concerne la bouée tractée, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe? Donc le principe de la bouée tractée, c'est une grosse chambre à air gonflée qui flotte sur l'eau et qui sera tirée par un engin motorisé. La bouée tractée s'adresse à quel type de clientèle, Fabien? Pour les enfants, pour les ados et pour les adultes. Donc ça s'adresse à tout le monde? Pour tous. Alors vous faites également des randonnées, pouvez-vous nous en dire plus? Donc les randonnées s'effectuent dans le grand cul-de-sac marin, petit cul-de-sac marin. Donc sur l'îlet du Gosier, le petit port de Saint-Félix, l'îlet Fortune et l'îlet Carrette pour le grand cul-de-sac marin. Alors combien de temps durent les randonnées en général? Est-ce qu'il y a des petites pauses sur le parcours? Donc les randonnées en général, ça part de 30 minutes à la demi-journée. Donc suivant les parcours, il y a des pauses. Et automatiquement, celle de 4 heures, on fait un peu plus de pauses au cours du parcours, du chemin. Des petites pauses baignades sympas, avec quoi? Avec les dauphins, les étoiles de mer. Il y a des belles choses à voir dans les fonds en général? Oui, il y a souvent des sirènes. Il y a souvent des sirènes, super, maman, je vais y aller, j'adore les sirènes. Alors, si j'ai une petite sortie de prévue avec ma famille, des amis, est-ce qu'on peut venir en groupe? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, tu peux venir en groupe, maximum 8 personnes, donc ça fera 4 jets avec le moniteur, voilà. Donc obligé d'avoir un moniteur avec les 4 jets. Donc si les gens n'ont pas le permis côtier, oui, automatiquement obligé d'avoir le moniteur. Et le moniteur pour encadrer maximum 4 jets. 4 jets. Donc est-ce qu'il peut y avoir un deuxième moniteur? Est-ce que vous avez d'autres jets? Par exemple, si j'ai plus de 8 personnes, si on est par exemple, je sais pas, moins 12. Oui, bien sûr, ouais, on peut greffer d'autres machines avec un autre moniteur. Pour les propriétaires de jet ski, je crois savoir qu'il y a la possibilité de louer des espaces de stationnement. Comment ça se passe exactement? Donc à la plage de l'hôtel Canela Beach chez JetForce, il y a la possibilité d'avoir un stationnement sur ponton flottant. Et donc la personne souscrit un contrat de location pour le mois. Et après, donc, ils ont la possibilité de laisser la machine sur ponton flottant, où il y a accès de l'eau, électricité. Le jet ski, c'est pour tout le monde, aussi bien pour les vacanciers que pour les locaux. N'hésitez pas à venir voir Fabien, situé après la plage de l'hôtel Canela Beach, du lundi au dimanche de 9h à 17h. À très bientôt, bye bye.